Oh, les filles, on décore pour Noël, j'ai trop hâte. Franchement, j'ai trop hâte. J'adore cette période de l'année, pas vous? Ah, si. Oh, regarde, on a des super chaussettes, Ellie, tu t'en souviens? Oui, je me souviens. Mais regarde, j'ai enlevé mon petit siège. T'as ton petit siège, mon cœur. Regarde, déjà, ça fait des petites décos de Noël. Mais ouais, moi j'adore ça. Chewbacca. Il y a Chewbacca en plus. Chewbacca, il va fêter Noël, tu penses? Oui, on a une petite chaussette ici. Une petite là. Ah oui, on a un petit porte-sac. Coucou, oh. coucou les filles, bah, qu'est-ce que vous faites? On installe les décos de Noël, on a trop hâte que ce soit Noël, nous on est à fond. Mais c'est beaucoup trop tôt. Quoi? C'est dans un mois et demi. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Vous avez trop hâte en fait. Bah ouais, hein, là, non, franchement, hein, nous on adore Noël. Bon bah écoutez les filles, j'ai une grosse surprise pour vous qui va vous permettre d'entrer dans la magie de Noël un petit peu plus tôt que prévu. C'est vrai? Oui, en fait on a fait un swap avec Madison de la chaîne Le Monde de Missy 15. Et je crois que ça va être, comment dire, je cherche un petit peu l'adjectif, le superlatif. Énormissime. Allez, vous me lancez le générique? Oh, il y a de l'écho. Et nous revoici les filles. Alors ça va après le petit générique là? Je pense que ça va, oui. Bien, alors je vois que vous avez vite arrêté vos petites décos derrière là. Mais attends, tu nous as annoncé une super nouvelle. On va faire un swap, c'est ça? Oui, c'est ça. Comme je vous l'ai dit avant le générique, nous allons faire un swap avec Madison. Oh bien. Donc nous allons ouvrir quelques petits colis. Quand je dis quelques, vous verrez, c'est pas un petit nombre. Et quand je dis petit, vous allez voir que c'est pas vraiment petit. Bref, elle a fait la fofolle, Madison. Alors c'est un peu Noël avant l'heure. Je vous envoie les cadeaux. Bien sûr, on a hâte. Alors colis numéro 1. Colis numéro 2. Colis numéro 3. Colis numéro 4, oui. Et colis numéro 5. Attends, c'est vraiment Noël? Oui, c'est Noël avant l'heure. Regardez les petits copains et copines. Madison nous a envoyé 5 colis remplis de cadeaux, de plein de choses en fait. Alors Ellie commence déjà à ouvrir le sien. Donc c'est un swap. Il y a bien sûr des menus pour chacun, pour chacune. Regardez. Alors, allez-y, montrez-moi un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Là, c'est le menu pour Ellie. Le menu pour Ellie, donc déjà on voit qu'il y a deux pages. C'est blindé de choses. Oh, des Playmobil. Attends, mon chat. C'est énorme, regardez. Il va falloir ouvrir. Attends, je lui cache parce que sinon. Elle est comme une dingue. Donc, je vous explique, il y a deux colis pour Ellie, deux colis pour Lana et un colis tutti frutti, j'ai envie de dire. Alors, Lana qui ouvre très précautionneusement à côté d'Ellie, c'est vraiment la différence. Alors, qu'est-ce que tu nous montres? Alors, voici le menu d'Ellie. Donc, regardez, il y a deux pages quand même. Hein. Oh là là, des sucettes. Des gens, grâce à YouTube, papa, mais des gens généreux, franchement, c'était un truc de dingue. Ouais, c'est vrai, alors des Madison, gens gentils, déjà, avant d'ouvrir, on te fait de gros bisous ouais. Déjà, merci beaucoup. Merci. Alors Lana, montre-nous vite fait, qu'est-ce que t'as trouvé toi? Des bonbons, c'est vrai que c'est rempli de bonbons, de cadeaux. Regardez-moi ça, c'est blindé. C'est incroyable. C'est un truc de fou, et toi Lana? Waouh, pareil. Mais Lana aussi, regarde. Waouh. C'est énorme. C'est la folie. C'est la folie furieuse. Maman, je donne ce bonbon à Lana parce que moi je l'aime pas. Ah oui, les réglisses. Ah non plus, j'aime pas. C'est pour Lana. Papa, tiens papa. Oui, merci ma puce. Oh, des réglisses. Je suis gâtée. Il y en a tellement. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on déballe tout, on sort tous les cadeaux, c'est ça? Ouais, on sort tout. Et puis on classe ceux pour Ellie, on classe ceux pour Lana, comme ça sera plus simple. Donc ce qu'on va faire, Mamounette a raison, on va vider tous ces cartons, nous allons entasser, parce que c'est le mot qui convient, entasser tellement qu'il y en a, empiler tous les cadeaux respectifs de chacun. Et puis on se retrouve tout de suite après pour l'ouverture. Allez, à tout de suite. À tout de suite. We'll be right back.
revoici. Coucou ma puce. Oui, qu'est-ce que tu veux me dire? Merci Madison. Merci. Oh. Comme une dingue. Merci Madison. Regardez les petits copains, les petites copines. Oui, alors il n'y a pas qu'une poupée LOL. Regardez. Regardez ça. Il y a plein de trucs. Elles ont construit le swap, voilà. Donc elles ont chacune leur présent. Et alors en plus, elle a fait la folle Madison. Elle a rajouté plein de petits présents en plus. Ils sont même pas partis du swap. C'est du bonus, du bonus. Une poupée LOL sister. Des Hatchimals, papa. Regarde ces petits emojis Disney là. Je connaissais même pas, c'est génial. On a tout un tas de bonbons de sucreries. Ça aussi, je crois que c'est une grosse sucette. Et j'ai vu quelque chose, Mamounette, j'ai vu quelque chose. Des Reese, oui, j'adore. Des Reese, merci Madison, c'est trop fort. Regardez ça, c'est Noël. C'est vraiment Noël ce matin. Alors, je vous dis les petits copains et copines, on va essayer d'en ouvrir le maximum. Peut-être qu'on fera ce swap sur deux vidéos, ouais, tellement qu'il y en a. On va voir combien de temps ça dure. Si on voit qu'au bout de la moitié des cadeaux à peu près, ça a déjà fait un bon moment, on fera peut-être une deuxième vidéo qu'on publiera le lendemain. Oui, oui, des Playmobil. Bon, les filles, vous êtes prêtes? Vous êtes munies de votre menu? Oui. Alors, mon petit cœur, on va reculer. Maman, elle va te lire le menu au fur et à mesure. Et toi, tu nous ouvriras les cadeaux. Merci. Tu vas essayer de deviner ce que c'est. Ah. Et tu ouvriras ton cadeau. Et toi, Lana? Pareil. Ouais. Hein. Allez, vas-y, attaque. Dis ton 1. Alors, le 1, je pense que tu aimes cela. D'accord. Alors, pense... Lana, elle aime plein de tout. Bon, ok. C'est vague. Et c'est alors, vague. Pour Ellie, pour faire des rêves imaginaires. Dodo. Peut-être, fais voir la forme du paquet. Alors, c'est un carré. Je vois pas du tout ce que c'est. Allez, ouvrez-moi ça vite, les filles. On en a une cinquantaine à ouvrir. Qu'est-ce que c'est? Un drap licorne. Oh, une housse de couette licorne. Emoji. I believe in unicorn. Wow. Oh, c'est trop bien. Trop beau. Ah, c'est super. Trop beau. Et toi, Lana, c'est quoi? Bah, c'est des mangas, j'adore. Des mangas. Moi, je l'avais jamais vu. Alors, c'est quoi comme manga? Je connais pas. En anglais, il est nu, c'est Death Note. Ah, Death Note. Death Note. Ouais. Death Note. Waouh, génial. Trop bien. T'as vu comme elle est belle, mon cœur? Super. On la mettra dans ton lit. Dans ton lit. Allez, c'est parti. Allez, on passe au numéro 2. Alors, le numéro 2, c'est celui-ci, le petit cœur. Attends, je vais te lire. Je vais coller avec ça. Oh, mais regarde, on les ouvrira après, les bonus. Ouais. 2. Si je te dis Panini. Panini, moi je sais. Parce que moi, j'en avais quand j'étais petit des panini. Alors, c'est pas le sandwich, hein. C'est pas le sandwich. Je vous donne un indice. Un sac. Petites images. Alors Ellie, elle en a déjà eu en plus. Quand elle va l'ouvrir, elle va savoir ce que c'est. Et toi Lana? J'ai toujours le smile. Le smile, le smiley. Ouais. Serait-ce un coussin emoji? Un smiley. Allez, coussin emoji par ici et album de Panini des poupées LOL. Ah, c'est génial. C'est pour coller les poupées LOL. Avec plein. Mais non, c'est pour coller les autocollants. Il est trop beau. C'est pour coller des autocollants. Waouh, ce que t'adores en plus. Alors Ellie, elle est fan des autocollants. Moi aussi. Oh, elle s'étouffe tellement qu'elle est à fond. En fait, reprends ton souffle, Ellie. J'ai déjà vu dans les vidéos. C'est vrai? T'en as jamais eu? Bah oui, des autocollants, on en a vu, on en a acheté, on en a. Mais jamais des poupées LOL, quoi. Allez, on passe au numéro 3. Bon, Elana, elle a bien eu son coussin. Bah oui, c'est super beau. Moi, j'ai le 3. Alors, Ellie a le 3. C'est beau. Et toi, Lana? Yes. Ouais. Pour lire et rigoler, pour Ellie. Pour lire et rigoler, donc moi je dis que c'est un petit livre. Ouais. Alors, et toi, Lana? Je suis une maison qui sert à plusieurs choses. Une maison? Je suis une maison et sert à plusieurs choses. Oh là là, Lana, c'est pas lire. Non, mais qu'est-ce que ça pourrait être? C'est mou? C'est un peu mou. C'est moite-moite. Bah écoutez, il n'y a qu'à ouvrir. Allez, on ouvre. Alors là, Madison, des franchement, c'est des belles énigmes parce qu'on n'arrive pas à deviner. Un livre! Ça, on avait trouvé. Waouh, mais plein! Oh là là! Des monsieur, madame! C'est génial! Ah, c'est bien! Et toi, c'est quoi? Waouh! Trop beau! Regardez!
Gryffondor, Harry Potter, quoi. Ah ouais, c'est une pochette Harry Potter, trop bien. Alors, Lana est fan d'Harry Potter, elle est trop contente, je le vois, je le vois. Et toi aussi, t'es trop contente, des monsieur, madame, quoi. Monsieur Chatouille. Qu'est-ce qu'on a ? Monsieur Plouton. Monsieur Rigolo. Monsieur Farceur et Monsieur Rapide. On a eu que des messieurs. Waouh, trop bien. Alors, Ellie, on adore lire les histoires. Et puis surtout, Ellie, elle a la collection des figurines. Donc là, c'est top. Vrai. C'est top, on n'avait aucun livre, on en avait zéro. En fait, je vais vous dire un truc. Dis-moi un truc. En fait, ben, ils sont rangés dans le garage. Qu'est-ce qui est rangé dans le garage? Les figurines? Monsieur Banane. Monsieur Banane, Monsieur pourquoi pas madame. Monsieur Banane et Madame Anana. Je suis une banane, je vais m'appeler monsieur et je mange des bananes. Ok. Allez, on passe à quel numéro? 5 4. 4. Moi, je vais aller plus vite que la musique. Allez, numéro 4. Alors, vas-y, Lana. Alors. 4. J'existe aussi en top modèle. Waouh! Top modèle, c'est une marque de. Tu sais, les petits carnets qu'on peut colorier là où on crée ses figurines. Ah oui, aussi, ouais. Et alors pour Ellie, achète, vend, négocie et gagne. Waouh! Alors là, franchement. Franchement. Allez, montrez-nous. Oh! My Little Pony! Le Monopoly My Little Pony! Ouais, on l'avait pas celui-là! Donc c'est le. On avait eu un Mario. Est-ce qu'on peut dire que c'est un Monopony? Ah, un Monopony! Tu as vu l'action là? Oui, j'ai vu l'action. Il y a des Monopolys. Wow, ah, c'est trop beau! Les persos. Il y a des figurines et toi? Oh, c'est trop mignon! En plus, ça va vraiment te servir parce que. Ah, trop bien! C'est quoi? C'est des post-it. Pour faire des petites notes. Oh non, je suis jalouse! Oui, ma monnette, elle adore ça! Oh, c'est trop beau! Et toi, ma puce, est-ce que tu peux me montrer ton Monopony? Non, mais regarde, c'est génial! Hop là, regardez les petits copains de copines. Il y a même des figurines officielles. C'est le Monopoly Junior, donc il est adapté aux enfants. On peut y jouer à partir de 5 ans. Donc, Ellie, qui a 4 ans et demi, bientôt 5 ans, ça va parfaitement. Oh, c'est génial. Bon, merci, Madison. Donc, du coup, on achète Equestria. Hein, c'est le nom. C'est ça. Et en fait, moi, tu veux être qui toi? Je savais pas jouer en fait. Mais oui, on va apprendre, mon cœur. Ça va être génial, elle adore les jeux de société, Ellie. En ce moment, elle est à fond. Trop bien. Allez, numéro 5. Regardez comme elle est excitée, Madison. Alors là, tu lui fais sa matinée. Alors, le 5. Avec ça, tu vas paraître encore plus chippy. Oh oh. Alors, ça avec quoi on est chippy? Des couettes? Un vêtement. Ah oui. Comment tu fais? Ah oui, peut-être. Alors, le 5, couleur exceptionnelle, son numéro. Couleur. Ah, je sais ce que c'est, un numéro d'art. Quelque chose comme ça. Un numéro d'art. Mais un numéro d'art, peut-être glitter, attends, parce que exceptionnel. La laisser deviner. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Allez, on y va. Allez, mon cœur, tu peux ouvrir le 5. Ellie, elle montre quoi? C'est quoi? C'est Harry Potter, ça aussi? Ça fait trop peur. Oh, fais voir. Des Harry Potter, des mini Legos. Alors, pendant qu'elles ouvrent leurs cadeaux, regardez, on a eu des bonus. Donc là, c'était pour Lana, un mini Lego, voilà, Lego Fantastic Beast Harry Potter. Waouh, merci Madison, trop bien. Alors, qu'est-ce que tu as eu? Ah ouais, c'est du coloriage par numéro. Ah, j'ai une application en plus. Ah, oh, c'est du pixel. J'adore. Fais voir. Oh, c'est trop bien. Et toi, Ellie? Oh, regardez, c'est trop mignon. Regardez. Je suis une vraie chippie. Oh, c'est mignon comme tout. Oh, regarde ma mounette. Trop beau. Tiens, je te le donne. Trop beau. Et donc on retourne sur les petits livres de Lana. Regardez, donc c'est à colorier. On a des chiffres ici et les chiffres correspondent à des couleurs bien précises. Regardez comme c'est balèze. Là comme ça, ça ressemble à rien. En fait, c'est blindé de chiffres. Il suffit de colorier, on obtient l'illustration en question. Oh, mais c'est génial, hein. Et là aussi. Voilà. C'est vrai que ça, il existe des applications gratuites pour télécharger sur les tablettes. Et c'est super bien. C'est vrai. Oui, ma puce, ça, tu veux continuer, toi? Les copains, les copines, c'est ce cadeau. Et ben, en fait, c'est quoi ce cadeau? C'est le suivant? En fait, c'est le numéro 6? Ça fait du bruit, ce cadeau. Vas-y, ce coup-là. Alors, attends, on va lire. Ah ouais? Tu vas te reculer un petit peu, mon chouchou, s'il te plaît. Alors bon, allez-y, lisez-moi ce qu'il y a sur le menu du numéro 6. 6, miam de bon dessert. C'est à manger? C'est bizarre, ça fait du bruit, c'est à manger. Alors 6, je suis une extension composée de 90 pièces, mais 26 sont connues. Oh la vache, 90 pièces, 26 sont connues, une extension. Je comprends pas. Oh là là, c'est balèze, attends,
qu'est-ce qui fait 90 pièces? Je suis pas assez intelligent pour ça. Bon, attends, l'alphabet, il y en a 26. Qu'est-ce qui fait 90 pièces? Alors, le tableau périodique des éléments, il y en a, je ne sais pas combien il y en a d'ailleurs. Hein. Il y en a plus. Bah écoute, je sais pas. Et 26 sont connus, non? Combien? 20? L'alphabet, les lettres. Bah, l'alphabet, ouais. 6. Mais alors, qu'est-ce qui a 90? Je sais pas, je allez, sais ouvrez. Pas. Allez, ouvrez. Ouvrez les filles. J'ai trop hâte. L'écriture chinoise. Ah, peut-être. L'écriture coréenne. Non. On va le retrouver sur YouTube. Waouh, oh, mais qu'est-ce que c'est? Mamounette. Qu'est-ce que c'est? Un Playmobil, une mais... cuisinière. Ah. En fait, les Playmobil, on peut les retrouver sur la vidéo. Regarde. Fais voir ma puce. Ah oui, exact. Donc ça, c'est Playmobil cuisinière. Ah mais alors là, elle est maline, Madison, elle nous a induit d'erreur. Pas pour faire la cuisine. Madison, tu nous as enduit avec de l'erreur. En fait, c'est pas pour faire la cuisine, c'est simplement que Playmobil fait de la cuisine. Alors là, tu nous as eu. Alors, moi, je m'attendais à des Smarties ou un truc comme ça, tu vois. C'est ça. En plus, ça pourrait aller avec les mots. Les lettres et les symboles, fais voir. Ça, c'est ce qui se met dans les machins. Ah ouais, d'accord. C'est ce qui se met dans les... comment ça s'appelle ça, Mamounette, tu les sais, toi? Les tableaux lumineux, les lightbox, et les lightbox. Ah oui, tu vois? Oh, mais je sais pas lire. Lightbox, letters, figures and symbols. Ils sont trop beaux, il y a des super couleurs. Là, non, moi, je t'avais rien noir et blanc. Ouais, vas-y. Super beau. Oh. Génial. Bon, allez, on passe au suivant, numéro 7. Et alors, pour le moment, c'est top. Hein. Pour Ellie, amuse-toi bien avec Disney. Alors, à ton avis, qu'est-ce que c'est? C'est Disney. Ça a la forme de quoi? Un livre. Un livre, donc un livre Disney. Oui. Ouais. Et toi ma puce? Alors, numéro 7, ouais. Je parle fourche langue. Oula ça, le fourche langue, je sais ce que c'est déjà. Ah bon? Tu sais ce que c'est? Les 7 nains. Non, fourche langue, le fourche langue. C'est dans Harry Potter. Le fourche langue. Oh là là, elle a lu les livres, elle s'en rappelle plus, elle a vu les films, elle s'en rappelle plus. Le fourche langue. Moi je suis pas du tout Harry Potter, je connais rien. Bon allez. Je vais t'aider. Ouais, ouvrez, ouvrez. Tu connais, allez où mon Pierre? Un livre Mickey. Un livre. Allez, à fond, Ellie. Alors, qu'est-ce que c'est? Des coloriages, non? Des coloriages, des jeux, des coloriages. Mon livre, des stickers. Wow. Ellie, il y a des stickers, regardez. Des stickers, des jeux. Papa, regarde. Et ça, c'est quoi? C'en est un autre. Oh, Lana. Et toi, Lana. Oh. Lana, tu prends faire ça, là. Oui. Ah, je suis loin de la caméra. Regardez les petits copains et copines, une figurine. J'en ai du mal à parler tellement que c'est trop beau. C'est trop beau. En fait, j'ai du mal à parler. Franchement, Madison, oh, tu as fait la fofolle. Oh, c'est magnifique. C'est Harry Potter, quoi. Oh, ils lui ont même fait sa petite cicatrice. Oh, c'est trop bien. Il a sa baguette magique. Il a sa baguette magique. Il a tout ce qu'il faut. Elle est trop belle. Oh, alors là, franchement, magnifique. Oui, ma puce. Ça, ah oui, ça c'est des lettres. Alors oui, là, elle t'aidera. T'as vu, t'as un labyrinthe, oui, t'as plein de choses. En fait, je sais pas faire les lettres. Et oui, t'es un petit peu petite, mais avec maman, on va s'éclater. Avec Nana aussi. Trop belle figurine pop. Ah, oh, je suis jaloux. Toi, Mamounette, t'étais jalouse tout à l'heure pour les post-it. Moi, je suis jaloux pour ça. Super. Donc oui, voilà, Ellie nous montre ses petits livres, voilà. Mon livre de jeu et de coloriage, donc dedans il y a plein de choses à faire, plein de petits. Des gros canins, regardez comme elle est contente. Oh, oh là là, elle est à fond! Elle est à fond! Merci Madison pour ces super moments que tu nous procures! C'est clair. Mamounette! Ah bah ça c'est pour moi, ça ça va être un super moment pour moi ça! Merci ma puce, j'ai envie d'en manger un tout de suite! Hé hey, Mamounette, Riz! Tu sais ce que ça me rappelle Riz? Dans la série télé? Harry Potter! Non, dans Malcolm, pas Harry Potter, il y a Riz comme ça, il me fait rire Riz! Non, on va ouvrir le 8. Mamounette direct. Non, on va ouvrir d'abord ça. Mamounette, les règles, les règles, les règles. Il faut suivre les règles, les règles, les règles. Je range, je fais le rangement en même temps. Alors que papa, c'est plus. Ouais, ouvrons. Allez, ouvrons ci, ouvrons ça, on s'en fout. En avant les histoires. Alors, pour Ellie. Les mobiles, en avant les histoires. Et si, les mobiles, on peut les retrouver sur la télé. Aussi, il y a des pubs. Ouais. Je peux pas, j'ai licorne. J'ai pareil. Vous avez toutes les deux la même chose? Ça serait génial. Ah mais regardez, vous avez un sac qui se ressemble quand même. C'est vrai qu'il se ressemble assez. Je peux vous manger tout ce que t'as dans le truc de verre. Ok. Ouais, allez. Lourd. C'est en verre? Oula, là, attention, c'est peut-être fragile. Attends, est-ce que c'est un mug? En verre, ou un verre? Ou... Non. Oh, c'est génial. Je peux pas, j'ai licorne. Ah, trop beau, une jarre. Ça s'appelle une jarre? Tout en fait. Moi, le jarre, je connais, c'est le mâle du... C'est quoi? Le mâle de Loire? La jarre? La jarre, ça se boit aussi chez les Grecs et les Romains, ils avaient des jarres comme ça qui se tenaient comme ça. Ah, trop belle. Trop beau.
Chin. Pour pouvoir comme ça, non. Version gold pour Ellie, version black pour Lana. Licorne. Fais voir ma puce. Oh, regardez, c'est trop beau. Ah, c'est trop bien. Je peux pas, j'ai licorne. Trop bien, trop bien, trop bien. Allez, on passe au suivant. Alors, 9 pour Ellie. Un moment en famille. Un moment en famille. Eh ben, on fait des jeux de société. Bonjour. Et toi? Hillary. Hillary Clinton? Non, mais c'est Hillary. Ah, je crois que c'est Hillary Clinton. Moi, je disais, qu'est-ce que c'est Hillary Clinton? Ça, c'est une mèche de cheveux? Allez, t'as pas d'idée, toi? Non. Bon, bah allez-y, ouvrez, ouvrez, ouvrez. Ouais, Ellie, t'avais une idée, c'était un jeu de société. Que donc là, on en est au numéro 9. Quand on sait que pour Ellie, il y en a 27, c'est ça, Mamounette? Je sais même plus. Wouah! Wouah! Amazon? Amazon! Un colis Amazon, alors qu'est-ce que c'est pour Lana? Papa, c'est un colis de barbecue. Oh, trop bien! Ça me rappelle l'Espagne! Tu te rappelles, Mamounette, on faisait des barbecues comme ça? Ouais, on s'y connaît, on sait comment ouvrir les colis Amazon à force d'en recevoir. Alors, c'est quoi, toi? Des mangas! En plus, fruit basket, t'adores. Alors, Ellie nous montre son Playmobil. Regardez les petits copains et copines. Il y a un petit numéro 9 dessus. Hop, on l'enlève. Regardez. C'est le barbecue, la piscine. Génial. City Life, on l'avait pas. Elle en a beaucoup, Ellie. Elle en a vraiment beaucoup. Mais celui-là, on l'avait pas. Chapeau Madison. Et regardez. On voit ici une petite illustration sur le t-shirt. On dirait la licorne d'Ellie. Trop bien. Regardez. Madison, elle nous connaît. Elle est fan. Elle regarde vraiment nos vidéos. Oui, c'est vrai. Et toi, ma puce, tu as eu des fruits de basket, le numéro 3 et le numéro 4. Quand tu nous disais que c'était Noël, t'avais pas tort. J'avais pas tort, hein. Et toi, Lana, t'as le numéro 1 et le numéro 2, et t'as pas le 3 et le 4. Mais comment elle sait ça? Madison, tu es voyante? C'est pas possible. Donne-moi tout de suite les chiffres du loto, ouais. Les chiffres du tiercé. Bon, je joue pas, mais ça me donnerait l'occasion, hein, de jouer. Ouais. Bon, numéro 9, exceptionnel. On passe au numéro 10. 38. Voilà, t'as le 13, donc c'est pas lui encore. Alors, le numéro 10. On dirait une balle. Doucement. Oui, c'est vrai qu'on dirait une balle. Ah, mon chat. Ellie, elle est à fond sur le numéro 13 déjà. J'ai des défauts et des qualités. J'ai des défauts et des qualités. Et toi, Lana? Je porte le même nom qu'une chose dans l'armée de l'air. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans l'armée des de l'air? Des avions. Regarde, lui, là. Des hélicoptères. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, Ellie nous montre, effectivement, il y avait des bonus en plus qui n'ont pas de chiffres. Ça, c'était cadeau bonus, comme ça, des émojis. T'en as retrouvé derrière? Voilà, des émojis. Voilà, voilà. La générosité de Madison. Voilà. Tout est là. C'est incroyable. Le 10, mon chouchou. Il y a vraiment des gens exceptionnels sur Terre. On lui fait vraiment de très très gros bisous. Grâce à YouTube, on peut les rencontrer. Et franchement, c'est... C'est trop bien. Alors, Lana, qu'est-ce que tu as? Oh là là. BTS. Oh là là. Alors, pourquoi dans l'armée de l'air? Bah, en fait, le nom de fan club, on va dire. Ouais. J'ai pas les mots. C'est Army. Ah oui, exact. Yes. Exact. Maintenant que tu me le dis, c'est vrai. Oui, je te le dis. C'est vrai. Alors montre-nous un petit peu ce t-shirt, sweatshirt, je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, c'est un habit. Et toi, Lana? Ellie. Oh, la suite. Non, mais attends, il lui a pris la collègue. Il y a la collègue, c'est pas possible, c'est trop bien. On adore en plus les monsieur, madame. Non. On est les madame. Waouh, un t-shirt BTS. C'est un pull, c'est un sweat. C'est un sweat. Ah ouais, j'adore la matière. Oh, les BTS! Trop beau! Et Ellie a eu des monsieur, madame! Tiens ma puce! On a madame autoritaire, madame tête en l'air, madame range tout, ça c'est maman, madame catastrophe, ça c'est Lana, et madame acrobate, c'est papa! C'est... Ouais, enfin plus trop maintenant! Hein. Je l'étais, je le suis plus trop! C'est madame tête en l'air et madame catastrophe aussi! Toutes ouais, aussi toutes les deux, il y a des catastrophes ambulantes! Donc on a eu les monsieur d'un côté, les madames de l'autre, et voilà, on les réunit, on aura peut-être des enfants! C'est Lana qui doit avoir un enfant. C'est vrai? C'est peut-être un peu tôt, Lana, s'il te plaît. Mon cœur a failli lâcher. Voilà. Alors, plus tard, on fait un bébé. Plus tard, elle fera peut-être des bébés. Toi aussi, tout le monde fait des bébés. C'est génial, les bébés. On adore les bébés, nous. Maman, et que tout le monde soit maman. Oui, mais c'est un peu tôt. Hein? Bien sûr. Moi, je me réveille, en fait. Tu seras maman. S'il vous plaît, prenez soin de mon pauvre cœur. Allez, on passe au numéro 11. Alors, pour Ellie, je suis réversible. Réversible, moi je vois bien des sequins. Ouais. Donc, réversible, des sequins. Ou un popples. Moi, des popples. Et toi? Et toi, Lana? Carré magique. Carré magique? Carré magique. Un Rubik's Cube? Un Rubik's Cube comme ça, franchement. Un Rubik's Cube plat. On a le droit, hein. Alors là, je vois pas. Je dirais un lit, mais je sais pas.
carré magique. Oh. Allez, vas-y. Peut-être un casse-tête, des casse-têtes. Je sais pas, je sais pas. Tu sais ce que c'est? Je n'ai plus d'oreilles. Un t-shirt réversible. C'est même un sweat tellement il est épais. Hein. Oh. C'est un pull. Et c'est réversible. Girl. Ah, du pixel art. Donc c'est pareil là, les petits copains de copines. Regarde, c'est du pixel art. On colorie les carrés en fonction des couleurs et on obtient de jolis motifs. C'est trop beau. Fais attention. Ah oui, faire attention, faut pas l'abîmer. C'est trop petit, oh là là, bah là, il y a du boulot. Il y a du boulot, Lana. C'est bon. On va être tranquille pendant un moment avec ça. Bon, Lana, c'est vrai qu'elle est très sage. On ne l'entend pas. Lana, tu allumeras avec ton téléphone et elle pourra colorier. Alors, c'est, comme je disais, Lana, c'est un ange, hein, Mamounette. Lana, on l'entend pas. Elle va dans sa chambre, elle est sur son ordinateur, sa tablette. Elle fait ses devoirs. C'est un modèle. Lana, elle n'avait pas de tablette. Contrairement à Ellie qui est au contraire une petite furie. Difficile à canaliser. Donc on a la moyenne là, vous en voyez devant vous, vous avez la moyenne. Vous prenez Lana et Ellie, vous faites un mix comme ça et hop, vous avez la moyenne. Il est beau, hein. Franchement il est beau. Et puis c'est réversible, gold et rose, c'est vraiment très très beau. Des couleurs très bien choisies. Ellie pendant ce temps, elle se tape un bonbon. Donc là, on en est déjà à 20 minutes les petits copains et copines. Et on a ouvert combien de colis? 11. 11. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on en fait encore quelques-uns? Allez, on fait le 12. On fait le 12, c'est parti. Les petits copains de copines, on fera certainement deux vidéos parce que là, ça commence à être très long. Et dans la prochaine vidéo, on reprendra exactement où on en est. C'est-à-dire que nous, on va continuer, on va filmer et on fera deux vidéos distinctes. Allez, c'est ça le numéro 12? Oh la vache! On va finir sur un truc énorme. Allez, ouvrez-moi ce numéro 12, mais avant, dites-moi le menu. Je t'apporterai un peu de magie. Je t'apporterai un peu de magie. Une baguette magique. Voilà. Et toi, Elana? Les yeux sur toi. Les yeux sur toi? Attends, les yeux sur toi, ça peut être un miroir. Qu'est-ce que ça peut être? Eyes on you. Eyes on you. C'est pas un titre de chanson? Non. Ah, écoute, je sais pas. Allez-y, 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 allez-y. Et regardez tout ce qui reste encore à Lana, franchement. Regardez tout ce qui reste à Ellie. On n'a pas fini. Oh mon Dieu! Oh! Incroyable! Une licorne! Elle est trop belle! Elle est trop mimi! Elle est toutes les couleurs! Elle est douce! Oh là là, puis elle est douce! C'est incroyable! Regardez les petits copains de copines! Elle est trop belle! Regardez ses yeux! Oh, c'est trop mignon! Regardez ça! Oh là 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 là! Regardez ses yeux! Sa corne ici qui est glitter! Sa crinière! Tiens, je t'adore en ce moment! Regardez. Alors je pense savoir mais je suis pas sûre. Alors qu'est-ce que tu penses que c'est, Lana? Et toi t'as quoi? Des Kit Kat? Ah mais je suis fan. Mais il est surtout en anglais c'est eyes on you. Ah bon? J'en sais rien du tout. Eyes on you. Oui. Les yeux sur toi. Et c'est un le nom d'un album de K-pop. Ah d'accord. Oh non, il y en a encore. Mais non, mais il y a tout ce que j'aime. Oh, tropical. Peanut butter au beurre de cacahuète quoi. Oh là là, des... oh là là, c'est les meilleurs ceux-là, les dragibus. Non, mais on va se régaler. Ellie, elle est en train de nous détailler tous les bonbons. Alors attends, on va regarder ce que Lana a dans ses mains. Ça ressemble à un poster. Ah ouais. Je m'approche. Ah, regarde. Qu'est-ce que c'est? On a perdu du Jungkook. Du Jungkook. Du Jungkooké. Du Jungkooké. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oh là 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 là. Oh là là, c'est un album des BTS? Non, non, des GOT7. Mais j'y connais rien moi, des GOT7. C'est trop beau. Alors là, on a quelque chose qu'on a rarement. En plus, t'as mon bias. Oh là là, ton bias? Oui. J'y connais rien moi. On dirait, tu sais quoi, une petite photo Polaroid. Oui, c'est trop chou. Alors on a rarement l'occasion de voir ce genre de choses en France. Il faut souvent le commander, voilà. Ça, ouais, ça arrive de loin ou de Paris. Nous, on n'est pas parisiens, on est de la province. Et pour avoir ça, franchement, il faut toujours qu'on passe par internet. Là, ça arrive tout cuit à la maison grâce à Madison. Merci. Oh, voilà ce que tu vois. Attends, ça, tu vas pouvoir le mettre dans ta chambre. Oh là 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 là. C'est trop bien. Alors, sa marchande à côté, j'entends sa marchande. Qu'est-ce qui se passe? Elle veut absolument ouvrir ça, mais on va finir sur le 13 quand même. Ouais, on finit sur le 13 et après, on ouvrira. Allez. Alors, les petits copains et copines, on va finir sur le numéro 13. Et puis on va finir cette vidéo sur le numéro 13. On fera donc une seconde vidéo tout de suite après. Vous la verrez le lendemain. Voilà, vous aurez deux parties. Bon allez, c'est parti numéro 13. Qu'est-ce que ça nous dit sur le menu? Tu peux m'écraser mais ne casse pas ma corne. C'est un squeegee. Ou une balle. Et 13, moi, je veille la nuit en mode kawaii. C'est une veilleuse. Lampe, kawaii. C'est une lampe. Allez-y, ouvrez-moi les 13.
Idoa. Allez-y, qu'est-ce que vous avez fait là? J'ai rien compris. C'est une danse? Oui. C'est une danse. TikTok. Ah, c'est un TikTok, d'accord. Ah oui, les petits copains et copines, vous connaissez certainement TikTok. Kawaii. Idoa. Alors, c'est quoi ma puce? Oh, c'est trop beau. On a. Et Lana, regardez. Oh, elle est trop belle. Oh, une lampe kawaii. C'est Jungkook, ça? Jungkook, voilà. Jungkook. Elle a baptisé sa peluche Jungkook. Merci, ma puce. Regardez. Oh, c'est trop mignon. Oh, donc ça, c'est une peluche. Et à l'intérieur, il y a un squishy. Regardez, on peut l'écraser. Et elle reprend sa forme petit à petit. C'est génial. Alors, on en avait déjà ouvert sur notre chaîne. Et je crois qu'on n'avait pas celle-ci. Non, ça me dit rien. Non, on ne l'avait pas. Regardez. C'est génial. Et toi, Lana, fais voir. Une lampe kawaii. Regardez, oh, c'est trop mignon. On dirait que ça, c'est issu directement de Totoro. J'adore. Ah oui. Tu sais, Totoro, tu adorais ce dessin animé, ma puce. Oh, donc ça s'allume en jaune, peut-être en plusieurs couleurs. C'est génial. On l'ouvre un petit peu pour voir. On va l'ouvrir. T'en veux une, toi aussi? Eh ben, Lana te la prêtera. Vous savez quoi, petit copain? On va juste regarder ce qu'il y a dedans, vite fait. Hop, hop, hop. Regardez. Ah, mais attendez, elle est molle. C'est une lampe molle. Ah, regardez. Quand j'étais petite. C'est mou. Et ça reprend sa forme quand on appuie. J'avais une lampe palmée. C'est génial. C'est un truc vert. Oui, c'est tout mou. De chez Ikea. C'est en silicone. Ah, c'est génial. C'est sur pile, du coup. Ouais, c'est sur pile. C'est en silicone. On peut y faire des câlins. Oh, tiens, ma puce. Bon, ben voilà, les petits copains de copines. Dormir le noir. T'aimes pas dormir dans le noir, bah ça tombe bien. Hein, voilà. T'as une veilleuse toi aussi dans ta chambre. Bon, les petits copains et petites copines, on va se laisser là pour ce swap. 13 cadeaux d'ouvert déjà. Il en reste encore beaucoup. Je vous montre du côté de Lana. Je vous montre du côté d'Eli. Oui, il y en a beaucoup là-dedans. C'est tout plein de trucs. Il y en a là-bas au fond. Ça, c'est pour moi et toi. C'est vrai, on en a nous aussi. Oh. Oh là là, je m'y attendais pas du tout. Alors, il faut quand même qu'on vous dise, les petits copains et copines, avec Madison, on avait convenu d'un budget et elle ne l'a pas respecté du tout. Ou la canaille. Alors nous, on l'avait respecté, nous on avait dit, bah allez. Donc on a envoyé un colis, voilà, on avait respecté. Et Madison, elle a fait sa petite canaille de son côté, elle a mis 5 fois le budget, 5 fois. Vous vous rendez compte? Donc c'est pour ça qu'on a énormément de cadeaux, alors que nous, on n'a envoyé qu'un colis. Mais on n'a pas dit notre dernier mot, Madison. Non. On n'a pas dit notre dernier mot. Allez, les petits copains et copines, dites-nous ce que vous avez préféré. Qu'est-ce qu'elle fait, Mamounette? C'est pas ça qu'il faut manger, Mamounette. C'est ça, là. C'est ça, là. Il y a des bonbons. Donc, les petits copains et copines, dites-nous ce que vous avez préféré en commentaire. Quel jouet vous avez aimé, là? Du côté de Lana et du côté d'Eli. C'est le contraire. Ah ouais, j'ai dit n'importe quoi. Moi, je sais plus où j'en suis. Hein. Franchement, c'est Noël. Lana. Tu connaissais les Mawan en forme de carambar, quand même? Pas du tout. Moi, je connaissais pas. Hein. Alors, les filles, si vous aviez. Je sais que vous avez tout aimé. Je le sais, je vous ai vu. Mais si vous n'aviez qu'un seul cadeau à retenir, votre préféré, Lana, lequel tu préférerais? Le Eyes on You. De God Seven? Ouais. Le Eyes on You, ouais, c'est vrai que c'est tellement rare. Et toi, Ellie, si t'en avais un seul? La licorne, le Playmobil, qu'est-ce que ce serait? Ah, l'habit réversible sequin. Waouh, 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 trop joli. Et aussi ça, ah oui, bah, et Kelly, il y en a toujours plusieurs. Le Monopoly, et aussi les Playmobil. En fait, tout. Non, c'est que tout. Bon, les petits copains et copines, dites-nous, vous, en commandaire. En commandaire, oui, c'est le commandaire, voilà, c'est un nouveau mot. Dites-nous en commandaire ce que vous avez préféré. Voilà. Les filles, elles sont plus du tout avec moi. Là, je vois, elles sont plus du tout avec moi. On est à fond. Allez, papa. Allez, on se laisse sur quoi? Ce que tu veux. Ce que je veux. Regardez ce qu'il reste encore, les petits copains et copines. On se laisse sur quoi? Allez, sur la sucette. Oh, on se laisse sur quoi?